visto la cosa. L'ho visto io lì, no. Parliamo di Erbaluce, un vitigno a bacca bianca tipico del Piemonte. Venons-en à l'Erbaluce. C'est un cépage à baie blanche, typique du Piémont, et en particulier de la zone du Canavé. Aujourd'hui, nous allons parler du Calusso Passito, l'un des produits les plus importants obtenus à partir de ce cépage. Ce vin suit une méthode de production artisanale très ancienne qui ne peut pas être industrialisée. Questo vino è una tecnica antica. Dapprima bisogna selezionare le uve. Il faut tout d'abord sélectionner pendant la vendange les grappes les plus adaptées au passerillage, c'est-à-dire les grappes les plus lâches, celles qui ont la peau plus épaisse et qui seront ensuite attachées à des grillages dans un espace appelé passitaia. Una delle caratteristiche più importanti del processo produttivo è proprio il lapassimento. Le passerillage naturel est l'un des aspects fondamentaux du processus de production puisqu'il est effectué sans intervention artificielle ni chambre climatisée. On exploite uniquement le climat du Canavé, qui est caractérisé par des basses températures en automne et par les vents qui viennent des Alpes. Le passerillage, qui dépend beaucoup du climat de l'année, se poursuit pendant 4 ou 5 mois. Durante l'appassimento si verificano due fenomeni. Deux phénomènes se produisent au cours du passerillage. Les baies se déshydratent et flétrissent, ce qui provoque une concentration des substances qu'elles contiennent, et plus précisément des sucres, des acides et même des arômes. Dall'altra parte abbiamo un altro processo molto importante che è l'infavatura, cioè l'attacco. L'autre phénomène important concerne le développement de la pourriture noble, le botrytis, un champignon microscopique qui attaque les grains en leur conférant un aspect caractéristique, faisant virer leur couleur au bleu, et en modifie également les caractéristiques organoleptiques. Car le botrytis change légèrement les arômes de l'Erbaluce en lui apportant des notes singulières. La botrytis cambia un pochino quelli che sono gli aromi primari dell'Erbaluce, arricchendole di note molto particolari. Le passerillage est terminé lorsque les grappes d'Erbaluce atteignent une concentration donnée en sucre. Les grappes ont alors perdu environ 50% de leur poids. Si parla quindi di una perdita di peso piuttosto importante, circa del 50%. I grappoli vengono tolti dagli stendini su cui erano messi ad appassire. Elles sont ensuite détachées et passent au pressoir, en donnant ainsi un moût ayant une concentration en sucre très élevée. Solitamente si utilizzano torchi verticali o presse meccaniche che sono on utilise généralement des pressoirs verticaux ou des presses mécaniques qui sont désormais des outils de vinification désuets en ce qui concerne la production actuelle de vin blanc, mais qui demeurent très utiles pour le pressurage et donc pour l'obtention du moût du Passito de Caluso. Si ottiene subito un mosto piuttosto concentrato dal colore. On obtient d'emblée un moût assez concentré de couleur intense, ce qui est dû au fait que durant le passerillage, les peaux de l'Erbaluce virent à l'ombre. Arricchirsi in colore soprattutto sui toni ambrati. Il mosto così ottenuto va incontro alla fermentazione. Le moût ainsi obtenu commence son cycle de fermentation, qui constitue une étape assez complexe puisqu'il faut du temps. Una fermentazione molto veloce. Queste fermentazioni tendono a durare per un paio di mesi all'incirca. Ce genre de fermentation peut durer environ 2 mois. Au cours de cette étape, les sucres du moût sont transformés en alcool. La fermentazione viene poi interrotta. La fermentation est interrompue lorsqu'on a atteint une concentration en alcool autour de 13-14 degrés. 14 gradi di alcol. Rimane così un residuo zuccherino naturale molto importante. Cela permet également d'obtenir un taux de sucre résiduel encore important, qui apporte au vin son caractère doux et dense en bouche, des éléments typiques du Calusso Passito. Tipico del Calusso Passito di una certa consistenza anche in bocca.
Una volta terminata la fermentazione, si passa. Lorsque la fermentation est terminée, démarre l'étape d'élevage. Del caluso passito veniva effettuato in botti. Autrefois, l'élevage du caluso s'effectuait dans des fûts de petite dimension. Aujourd'hui, on opte pour la barrique, un fût de 225 litres. In questa fase, il prodotto. Au cours de cette étape, le vin tend à affiner ses qualités organoleptiques. E soprattutto si attende il termine dell'affinamento. On attend ensuite jusqu'à la fin de l'élevage pour que le passito puisse exprimer au mieux tout son potentiel, en libérant des senteurs de fruits secs et d'amandes. Di mandorla. Il processo di affinamento dura almeno 4 anni per i prodotti. La période d'élevage dure au moins 4 ans pour les vins de base et jusqu'à 10 ans pour les réserves. 10 anni per le riserve. Dans ce cas, on parle de Caluso Passito Riserva. Ce dernier est le produit le plus intéressant qui se conserve très bien, même lorsqu'il a été mis en bouteille. Le Caluso Passito est un produit extraordinaire sous cet aspect, car il possède des qualités remarquables de vieillissement. On déguste souvent des bouteilles ayant 20, 30 et même 40 ans.